So back to what I was saying. Could be us. Salut à tous, c'est Ben. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui suit la vidéo de mon avis sur Naruto. Cette fois on va attaquer à un nouvel animé nommé My Hero Academia. Et bien sûr, alerte, spoiler et de mise. Alors pour mettre en contexte, My Hero Academia est un manga créé par Koei Horikoshi et édité par Shueisha, apparu dans le Shonen Jump le 14 juillet en 2014. C'est vrai, ça ne donne pas envie de le regarder, mais le point fort de My Hero Academia, c'est qu'il n'y a pas d'épisode filler, et que l'intrigue se déroule sans pause, et que l'action est superbement bien réalisée, avec des combats sublimes. Je vous mets un combat que j'ai adoré. Il n'y a pas qu'un seul point positif, aussi l'humour de My Hero Academia, qui m'a fait rire. Cet animé à la star de Naruto m'a fait ressentir de fortes émotions, car il est très bien réalisé. Les scènes d'émotion m'ont ému, les scènes où il fallait rigoler, j'ai rigolé. Tout ça fait le café. Mais bien sûr, un problème de l'animé, parce qu'il en faut bien un, c'est la première saison qui montre le méchant, il est méchant juste pour l'être, et qu'il veut tuer notre cher héros. Mais il sera corrigé par le personnage de Stain, qui est méga badass, même si le méchant reste méchant. Stain est un mec qui veut tuer l'héros, car ils ne sont qu'avides d'argent, et ça marche du tonnerre, car My Hero Academia met des problèmes liés aux super-héros, et ne les montre pas que gentils et badass, car il montre que certains utilisent juste leur image pour faire de la pub et ne sauvent pas de personnes en danger. Et d'autres aspects que j'ai trouvé que la saison 2 a corrigé le tir de la saison 1 sans pour autant la gâcher. Bien sûr, si cet animé vous intéresse, je vous laisse le choix d'aller le voir vous-même et je vous le conseille à 100%, lien dans la description. Au final, j'ai adoré cet animé, autant pour les personnages charismatiques, Izuku, All Might, Katsuki, que le scénario et la mise en scène. Et les dessins et l'animation sont juste magnifiques, sans défaut apparent, et tout ça est très bien rythmé. Bien sûr, si vous voulez pas le voir, bah c'est triste, vous ratez un superbe animé, mais bon. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et lâcher un petit pouce bleu. Et si vous voulez, dans la description, il y a le lien de mon Facebook et de mon Twitter, pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Ben.